monde c'est le <laughs> ouais. bon Ouais. Bon bonjour. bonsoir hein. bonjour. notre première introduction tout il à fait a... il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de, Exactement. de il a aucun artifice bah ça fait tout plaisir ça de vous retrouver pour ce nouvel épisode de g7 et oui alors je, je fais, fais l'appel Emric. présent sous x tout à fait daldus j'adore les films sur les chauves et sales <laughs> Elle a pas fait ça. Elle a euh, fait ça. Elle a donné un petit mot. Son chien a mangé sa trottinette et du coup, il n'a pas <laughs> pu venir. Terrible. Bon, je vais lui envoyer un petit MP là. Ça va plus. Euh, sachez que c'est notre premier épisode de la quatrième saison. Ça fait déjà 4 ans qu'on regarde des films nuls. Ça wow. fait trop. Ça fait beaucoup. Je trouve. beaucoup de films nuls. Pas assez ouais. de films bien. Votez pour des films bien, s'il vous plaît. Mmh. Ouais, s'il vous plaît. Bon, En vrai, ça va. Ces derniers temps. En vrai, oui. Enfin, enfin sauf celui-là. <laughs> Celui-là, on va en parler. C'était. J'ai hâte de voir où on va le classer parce que c'est compliqué. Ouais. Ah, c'est pas si compliqué. Hein. <laughs> on verra. Si, si, on si verra compliqué. pendant les avis. Alors, euh, aujourd'hui, on est tous ici réunis euh, avant la messe pour parler de Hitman Agent 47. Donc, le deuxième film sur Hitman, mais qui parle de la même chose. Ce n'est pas une suite. Sorti huit ans après le premier. Oui, c'est très bizarre, non, d'avoir fait un reboot euh, seulement huit ans après je, je ne sais pas. Peut-être, euh, bah, euh, si tu veux, je présente le film et je go. donne ma théorie. Donc, Hitman, Agent 47, ou Tueur à gage, Agent 47, au Québec, <laughs> est un film d'annexion américano-britano-germano-canadien. Réalisé par Alexander Bach ou Bach, sorti en 2015. Il s'agit donc d'une nouvelle adaptation de la série Hitman après le film euh, de 2007. Il, euh, avec en acteurs principaux, Rupert Fri Friend, Anna Ware, Zachary Quinto, euh, Sharon Hinds et Thomas Kretschmann. Désolé pour les les l'écorchage les, les, les des noms. Et d'ailleurs, Rupert Friend, nous avons pu le, le voir dans un tas de, de choses dont un film qui s'appelle en français Waldo détective privé en anglais s'appelle Last Looks le personnage principal c'est pas lui c'est Charlie Hunman, mais euh, le personnage principal s'appelle euh, Charlie Waldo et donc je, je, je salue au passage cette découverte j'ai l'impression qu'on a une adaptation de de où est Charlie puisque en anglais <laughs> c'est Where's Waldo voilà c'était juste pour le fun fact qui n'a rien à voir avec le film vu que c'est même pas le même acteur principal et, et il joue juste dedans euh, L'acteur principal, je l'avais vu dans Pacific ah, oui. Rim. Non, dans Homeland. Oui, il est, il, est, il est notamment connu pour Homeland. Et, fun fact, il est aussi le grand inquisiteur dans Star Wars Obi-Wan Kenobi, la série de cette année. Euh, J'ai pas encore regardé. Tu verras, on le reconnaît. Ok. Il est, non, il est très maquillé, on le reconnaît pas. Euh, et donc, ma théorie, c'est que quand on voit la, la chronologie des jeux Hitman, et qu'on connaît donc les dates de, des films, euh, je pense que euh, le film Hitman de 2007 a tué la, la franchise, puisqu'il y a un gros hiatus de 5 ans avant la sortie de Hitman 5 Absolution, enfin du cinquième volet Hitman euh, qui est Absolution, qui est un, apparemment été un bon... Euh, un, une, bonne, une belle renaissance. Et, euh, et du coup, dans la foulée en, dans la foulée, 3 ans après, mais euh, ils se sont dit, ah tiens, si on refaisait un film Hitman. Ou peut-être qu'ils se sont dit, on va faire un film Hitman pour lancer la, le, le reboot du jeu qui est sorti en 2016. Je pense que c'est plus crédible. Mais voilà, je mais je, je pense que le, le gros laps de temps entre les deux films vient notamment du fait que la franchise a traversé un, un peu un, un désert en, de. Passage de... à vide. Oui, un beau passage à vide. Mais je crois qu'il me semble que, les, que le studio a eu des, des problèmes entre temps. Ayo, euh, oui, je crois. Et puis. Donc, euh, euh, on pourra en parler dans la partie vidéo après, mais j'ai lu la fiche de Hitman Absolution et du coup, j'ai découvert des, des choses sur le, les techniques euh, marketing pour, euh, <laughs> qui étaient un peu, un peu bizarres. Non, mais ça m'a fait Alors... penser euh, cette histoire de reboot euh, assez court. Euh, je crois que c'est Sony qui avait fait ça avec Spider-Man. Parce qu'en en fait, ouais. comme ils avaient acheté les droits pour, euh, je sais pas, acheter une connerie genre 20-30 ans. En fait, ils ont <coughs> fait un reboot. C'était conditionné au fait qu'ils fassent des choses, en fait. Leur, ouais, ouais. Euh, en général, de ce que j'avais lu à l'époque, quand ils l'ont fait, sur les sur les, les contrats de, de, de cession de droits, c'est en fait, si tu as un certain laps de temps pour faire quelque chose, si tu fais rien, tu perds les, tu perds les droits. Et en fait, tant que tu fais des trucs, as les, tu, tu conserves tes droits. Donc, euh, c'est pour ça ouais, qu'ils avaient... Euh, après qui avait du coup, ressorti après la trilogie de Sam Raimi très rapidement un reboot de Spider-Man alors que personne mm. ne l'avait demandé. Exact. Oui bah après des reboots de Spider-Man il y en a eu euh, au moins trois hein, bah oui, oui, et oui, oui, personne oui. n'a jamais bien. rien demandé. Hein. <laughs> C'est pas faux. Donc peut-être qu'on est euh, dans ce cas-là. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, Thalius alors, il euh, faut savoir que après la première moitié du film, j'avais l'impression de voir un remake un peu bizarre de Jason, vendredi 13, sauf que Jason n'avait pas de masque et un costard, mais <laughs> il marchait tout le temps derrière les gentils, avec un air menaçant. Donc euh, moi, j'étais en mode Ah oh, cool, un slasher, mais un peu chiant. Et à la moitié du film, en fait, il y a un petit retournement, une petite scène de bagarre plutôt gore, et j'étais en mode Vas-y, des super pouvoirs de la bagarre, j'achète. Un Marvel, et en fait, il le... en fait, y a un moment à la moitié du film où le film part littéralement en cacahuète. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, le film, il est bien. Donc euh, voilà, si, si j'ai un avis sur ce film, c'est regarder la deuxième moitié. La première, on s'en fout un peu. Euh, Julien, du coup, toi. Mmh, j'ai pas tant aimé que ça. Euh, alors, je l'avais déjà vu avant. Euh, et j'en avais... Aucun souvenir, sauf la scène finale. Enfin, quand je dis la scène finale, c'est vraiment euh, euh, les 20 dernières secondes. Le reste, j'en avais aucun souvenir. Et là, je l'ai re donc re regardé Je trouve que ça respecte pas le jeu vidéo. On en parlera. Euh, et c'est pas très cohérent. Ils ont tous des super pouvoirs. Bref, euh, j'ai vu un film d'action, mais pas un film sur Hitman, quoi. Et Sous-X, quel est ton avis sur cette œuvre d'art cinématographique eh ben, Je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec Julien, il y, a quand même, euh, il y a quand même pas mal de belles refs euh, au jeu. Alors, Alors de, après. De la rêve, pas... ce n'est pas forcément du respect Oui, 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 oui <laughs> mais euh, on, on parlait du, du jeu vidéo qui est, sorti, euh, qui est sorti entre 2007 et 2015. Euh, où ils ont fait un Hitman un peu différent, où il y avait quand même vachement plus d'action que dans les dans les Hitman qu'on qu peut connaître d'ordinaire, où c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus des phases d'infiltration et beaucoup plus discret que que ce qu'on a là dans le film où c'est juste une boucherie et on dirait un mauvais équilibre au final. Mais, euh, mais non, si on, si on se base par rapport au jeu vidéo qui est sorti juste avant, euh, je trouve que ça va, ça reste, ça reste cohérent. Mais les effets stroboscopiques euh, sur les scènes de baston, euh, pas fan. Les, je, je trouve globalement que c'est mal joué, en fait. Ah, il y a ça aussi, oui. C'est pas, pas mal réalisé, mais c'est mal joué. Et le, je, je regrette de ne pas avoir été là pour, pour le précédent Hitman, parce que le précédent Hitman est quand même vachement mieux. Mais euh, je l'avais déjà vu aussi, et effectivement, j'en en, en le revoyant, ai, je, je me suis aperçu que j'avais aucun souvenir de ce film. Il ne m'a pas marqué du tout, du tout, du tout. Et Il, toi, Embric, c'est du moyen. Voilà. Okay. Euh, moi, bah, ça va être un, une des rares fois où je vais vraiment dire franchement que c'était de la merde, <rire> <rire> euh, sans, sans, sans forcément chercher à, à sauver le film. Euh, parce que, ouais, euh, première partie, euh, chiante à mourir, j'ai vraiment eu envie de, de le mettre en foi 2 euh, euh, Oui, la première baston euh, avec, euh, la crise qui provoque des crises d'épilepsie, euh, non merci. Euh, et puis, <coughs> derrière, comme tu disais, Julien, aucun respect pour le jeu. Et malgré ce qu'a relevé sous des, des tas de, de rêves, des moments où tu du vois. Ouais, ouais, tu, tu vois qu'ils essayent de faire des, euh, des effets façon euh, l'impression de, de, de qu'ils essayent de recréer des séquences du, de, de jeu ou pas forcément des séquences du jeu mais des séquences de jeux vidéo euh, et que parfois ben ça colle pas parce que Hitman à la base c'est censé être un, un jeu d'infiltration et de et d'assassinat euh, discret quoi euh, même si dans euh, Absolution il y avait plus il y avait plus de plus de, d Enfin, c'est clairement encore un réal ou un scénariste ou les deux qui n'ont pas joué au jeu, quoi. Ouais, et puis même c'est c'est vraiment euh, je sais pas ouais c'est vraiment de, as l'impression euh, je me demande si Uwe Boll aurait pas fait mieux, quoi, tu vois. Ouh, <laughs> ouh là là, ouh là là, ça balance. Comme tu y vas. Euh, et euh, comme Suzy, je trouve que le précédent, enfin le le le, le Hitman de 2007 de EuropaCorp, hein, rappelons-le, <laughs> euh, est mieux. Euh, même si, même si euh, à partir du moment où. En fait, le gros problème du film au départ, c'est que tu euh, t'en as rien à foutre des personnages. L'agent 47, il est présenté comme le méchant. Euh, même si nous, on sait que c'est le héros, puisque c'est le héros de la série et donc, euh, de, de jeux. Et donc, on sait qu'il n'est pas foncièrement méchant, c'est un assassin, c'est tout. Euh, mais. Euh, et en fait, on s'en fout de, de la, 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 la fille qui recherche. Euh, pourquoi est-ce qu'il la recherche On s'en fout. Pourquoi elle On est-ce qu'on n'a pas envie de s'intéresser à, à elle Pourquoi il y, y a vraiment aucun. Comment dire euh, Elle est censée être l'héroïne au final. Et on s'en fout en fait un petit peu de d'elle jusqu'à la au plot twist de la deuxième partie et petit à petit on commence à avoir une histoire hein, qui arrive donc gros erreur gros gros problème de, de comment dire euh, en anglais ils disent caractérisation des personnages de, en gros euh, euh, donner dans le début du film suffisamment d'éléments pour qu'on s'attache aux personnages qui sont importants mmh. Là, on s'en fout un peu. J'ai limite plus envie de connaître les motivations et l'histoire de de John Smith, là, de Zachary Quinto, et voir l'histoire de comment lui s'est retrouvé dans ce dans ce programme de de d'assassin amélioré de nouvelle génération. Alors sachez que c'est le c'est un tr... film du réal. Hein. C'était son premier. Il en a pas fait d'autres après. Ouais, bah ça se comprend. Et c'était un ingénieur on du son ça. à la base. Ah. ah. Après, moi, je pense qu'on pourrait dire que c'est un très mauvais Léon. Ouais, c'est un, très... un mauvais film. Oui. Et on ne l'a pas dit, mais normalement, c'était Paul Walker qui devait tenir le rôle de 47. Mais il est mort. Et, et je pense que... Je sais même pas s'il si ça... aurait mieux collé en termes de... Je sais pas. D'aura, de, de, de personnalité. Ben, je ne sais pas, parce que 47, euh, on lui demande de jouer aucune émotion l'émotion. Enfin, c'est un peu... des très plat, quoi. Et il en a trop, celui qui joue le, le film là. Et même, tu vois, même entre Rupert, euh, Rupert Friend et euh, Timothy Oliphant, je, je sais pas, je trouve que euh, Timothy Oliphant avait euh, cet aspect un peu, un aspect un peu juvénile euh, que n'a pas euh, Rupert Friend, qui peut-être gênait, mais au final faisait que c'était peut-être. Euh, il arrivait quand même mieux à, à jouer le justement ouais, le, le gars un peu, un peu froid et tout ça. Alors que Rupert Friend, il a vraiment euh, il, il lui manque en fait en plus l'aspect euh, imposant. Parce que Hitman, mine de rien, quand tu regardes les, les artworks et puis les, les modélisations du personnage dans les, dans les jeux, il a quand même une, une certaine carrure et puis surtout une certaine... Enfin, je sais pas, il a un visage qui... Un peu peur quoi. Oui, alors que là on ouais, voit que c'est un bâti qui a rasé ouais. la tête. C ça. Ouais, d'ailleurs ça, ça m'a gêné hein, parce que pour moi, Hitman, il a genre pas du tout de cheveux, il a pas genre le crâne rasé de très près. Alors je sais pas vous les joueurs du jeu parce que j'ai jamais joué au jeu, mais oui, il est, est... est chauve-chauve ou il a le crâne rasé de très près Il est, est chauve-chauve, enfin dans, chauffe -chauffe. dans le jeu, il y a tout... pour mettre. Bah à l'époque, il n'y avait on pas les shaders perruques. pour faire, pour faire des... un crâne rasé. Euh... Non, c'est pour les perruques, tout, Il était tout lisse. Donc je pense qu'il a vraiment le, le crâne tout lisse pour mieux ventouser les perruques. Est-ce que avant de commencer je vous mets la bande-annonce Allez. Allez, elle dure 2 minutes 43, je m'en excuse par avance. Et ça sera la seule fois où on écoutera de la VF parce que comme j'ai regardé le film en VO, j'ai pas pu faire des petits montages. Vous savez, pour nous, vous êtes une énigme. On a cherché votre visage et vos empreintes dans toutes nos bases de données. Et qu'est-ce qu'on a trouvé Rien. Alors, si on commençait par votre nom. 47. C'est pas un nom. Non, mais c'est le mien. On dirait un un de voir Transformer. Qu'est-ce que je dois faire vite. vite allez. Attention. Vous savez pourquoi vous êtes encore en vie Parce que j'ai choisi de ne pas vous tuer. Mais eux, ils le feront. Vous vous rappelez le jour de votre enlèvement. Je me rends compte qu'il y a on tout le film dans la bande-annonce, on met vraiment tout quoi. Ils veulent ce qu'il y a dans notre ADN la vitesse, l'intelligence, la force. D'accord, détachez-moi. Vous êtes comme moi. Alors débrouillez-vous. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Dites-moi comment on fabrique un agent. Vous voulez voir de un agent. truc dans bon n'y pas dans le film. Vous voulez une armée Ils sont la clé de tout. Non seulement vous êtes doué pour survivre, mais vous voyez tout. Courez On va le réduire en cendres. Vous savez ouais. qui je suis. Comme la scène de fin avec les C'est fini ou pas? Oui. Alors, euh, j'ai vu deux trucs que je pas vu dans le film. Et ben, et ben voilà, c'est fini. Et on peut te dire adieu, au revoir. film, en fait. Hein. <laughs> c'est mal doublé, en fait. Oui. Ouais, pas <laughs> oui, bon, ça, c'est bon, étonnant. Mais alors, Corée, <coughs> fuyez on C'est marrant pareil. parce que dans la bande-annonce, donc la scène où elle attachait une chaise elle est devant un acteur, euh, normalement, elle est attachée avec des cordes, on est d'accord ouais. Oui. Dans la bande-annonce, elle est attachée avec des élastiques rouges. Donc, je sais pas s'ils ont ah. oublié de faire la post-prod pour la <laughs> bande-annonce. Et la deuxième chose, alors c'est une scène que j'avais pas vue dans le film, mais ils sont dans une sorte de loft en briques. Ils parlent et Ella lui dit cours Et il y a une sorte de truc qui défonce le mur. On d'accord qu'on n'a pas vu cette scène Non. Non, ça me dit rien. Ok. Mm. Bon bah il voilà. y a de il souvent des trucs qui sont le, qui, des trucs euh, qui sont mis dans la bande annonce puisque les bandes annonces elles sont faites euh, avant le en général le final, soit soit euh, quasiment à la fin du tournage soit euh, juste après le tournage avant euh, la, la post prod et le, et le montage et donc euh, ils prennent des éléments les éléments qui jugent euh, spectaculaires et intéressants et du coup il y a des trucs parfois que tu as, as dans la bande annonce et que tu retrouves pas dans le dans le film et euh, je ne me souviens plus plus quel, quel film c'était, mais il y avait eu une bande-annonce dans les années 90-2000 où j'avais été hyper hypé par la bande-annonce. Il y avait 2-3 trucs dans la bande-annonce qui m'avaient vraiment donné envie de voir le film. Mm -hmm. Et ces trucs-là n'avaient pas été mis dans le film. <laughs> ça arrive, ça, ça arrive. Ouais, mais je... Ça arrive souvent dans les jeux vidéo. Où hein. <laughs> ça Moi je pense qu'il faudrait qu'on lance un hashtag qui s'appelle Release the Barcut ». On sait jamais, peut-être qu'il y avait des trucs trop bien dans le film et qu'on les a pas vus et qu'en fait le film aurait dû durer quatre heures. Alors euh, je vais vous mettre une capture d'écran. Regardez. Ça, on l'a pas vu. Un truc de ouf. Elle est ah, pas assise sur le chaise. Là, elle est genre devant le réacteur attachée comme Jésus. Elle est suspendue, dans... <laughs> suspendue par des élastiques rouges. <laughs> ah ouais, non, on est d'accord. Et ouais. vous imaginez, genre 47, il s'est fait chier Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis sans dire mais c'est con parce qu'il est tout seul il va pas faire tout ça. Bah ouais. Et ça c'est la non, deuxième mais... scène dont je vous parle. Et après promis euh, chers auditoris on commence. Ça euh, ils ont jamais été dans cette pièce. Non. Je me dit rien du tout. Ok. Bon ce qu'on va faire on, <laughs> on va re-regarder le film et après on en parle. <laughs> non mais voilà bref bon ça sort le, la production chaotique. Allez on va commencer je remonte tout mon petit résumé qui est très long. Donc, je prends une petite gorgée de café et on y va. Ça fait déjà 20 minutes qu'on a commencé. Alors, <coughs> le film commence par le. On a une description du programme des agents. Donc, on cherche à faire une arme parfaite, un humain très balèze, sans cas de conscience, sans peur, sans conscience. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé déjà que ça allait très vite. On nous donne beaucoup d'informations et c'est peut-être pour ça qu'on ne retient rien. Euh, C'est mal illustré aussi, je dirais. Ouais. Donc, on nous dit qu'il y a un mec qui a créé ce programme, mais lui, il a eu un cas de conscience. Il s'appelle Litvenko. Donc, il a disparu dans la nature. Mais euh, l'entreprise qui l'employait, elle n'arrive pas à refaire des agents comme lui en faisait. Donc, il faut qu'on le trouve. Donc, euh, cette entreprise, elle s'appelle le syndicat. Euh, et donc, le syndicat engage des gens pour retrouver euh, Litvenko. Et il y en a un qui a trouvé. Euh, une piste en lien avec une femme qui est sûrement la fille de Litvenko et cet homme, il s'appelle Del Riego. Ensuite, on a un mec qui est... Ben, C'est ce Del Riego. J'ai écrit, il est dans une sorte de base type Minority Report parce que il fait des mouvements avec ses mains et ça ah, lui oui, permet de... De, 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 comment dire, de scanner des photos, etc. C'est très. Pop, 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 pop. On se croirait chez Facebook, quoi. Pop, 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 pop. On scanne les gens pour identifier qui sont sur les photos. Et là, on a un agent qui injecte un virus depuis un vieux téléphone Android, ce qui, euh, comment dire, ce qui génère l'évacuation de la base. Non. Mais en plus, le, le pire, je crois, ça fait juste glitcher l'écran il n'y a, a rien qui se passe d'autre à part euh, l'écran qui clignote euh, je, de, de mémoire et tout le monde panique et ça y est on évacue je crois que ça affiche genre corrompu <laughs> euh, on découvre qu'on est en Allemagne euh, on, donc on roule en Audi et les bouches d'égout explosent donc en fait c'est l'agent qui, qui a programmé euh, comment dire des, des bombes dans les plaques d'égout pour que euh, les voitures qui accompagnent d'El Riego euh, bah, soit neutralisé on a aussi des fusils de sniper téléguidés qui font des headshots le mec a pas mal d'outils quand même hein. oui, alors bah, le oui. fusil de téléguidé je suis pas sûr qu'il soit dans le jeu euh, non je pense pas les bouches d'ego oui ça c'est sûr mais euh, le fusil hein. bon an mal an on arrive dans une cachette secrète mais l'agent ah 47 est déjà là il a été plus rapide qu'eux, il tue tout le monde et il engage une conversation avec Del Riego. Donc, euh, il obtient les informations qu'il veut, 47. C'est-à-dire, en gros. J'aime bien parce que j'ai pas, pas l'impression qu'il lui mette tant la pression que ça, quoi. Euh... Ouais. Je pense qu'il le menace même pas avec une arme. Hein. Non. non. Peut-être que du coup, c'est censé nous montrer à quel point les agents font peur de euh, leur réputation. Parce qu'il dit qu'il a, qu a déjà cherché des agents, qu a, que ça s'est toujours soldé par un échec. Mmh. Mais, euh, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il est censé bosser pour, pour syndicate aussi. Euh, Del Rigo donc normalement il bosse pour, il bosse pour la boîte qui, gère les, qui contrôle les agents ouais c'est bizarre il y en a, y a un qui bosse pas pour le syndicat mais on ne sait pas qui encore et puis donc il obtient les infos à propos de cette femme euh, d'ailleurs on lui dit genre c'est dans tel dossier avec tel code ok cool euh, 47 se casse. l'autre ouvre une cachette où il y avait des armes sauf que dans cette cachette il y avait une bombe et donc il explose, il meurt. Petit ralenti pour 47. Et là... Il ne retourne pas pour voir l'explosion. Bah car hein. c'est un, un cool guy. Et, 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 et donc là, je ne okay. sais pas pourquoi, mais les alarmes sont réglées sur Stromboscope 2000. Ouais. Et, et une bagarre commence entre 47 et pas mal d'agents. Et autant et... dans le jeu, on veut de la subtilité, autant ici, j'ai écrit, on est en mode Gears of War. Il Et surtout, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Euh, ok, il, il se bat contre des mecs, mais on a euh, 3-4 fois la, le même genre de, de, séquence, de séquence où un mec arrive, il lui enlève son arme, il lui donne un coup de. Il lui casse la tête, enfin, il l'étrangle euh, ou un truc comme ça. À chaque fois, il y a au moins plein de répétitions en fait, dans, le, dans, dans la chorégraphie de la bagarre, ce qui fait que ça paraît vraiment beaucoup trop long. C'est vrai. Et puis on a l'écran 6. de John Wick. Ouais, c'est John de... Wick, mais en mauvais. Ouais. On part à Singapour, où le chef des méchants est dans un bureau tout blanc, et il n'est pas content que Del Rigo soit mort. Et voilà, prenez cette information et faites-en ce que vous voulez. On retourne à Berlin, euh, où la fameuse fille que tout le monde cherche... Euh, alors j'ai écrit qu'elle fait du bootstrapping. Je ne sais plus si c'est ça... Booking. Ouais. Scrapbooking, ouais. Elle, elle reconstitue des... elle a des pleins de petits papiers euh, déchirés qu'elle reconstitue. Euh, ouais, elle, est elle a l'air d'être dans des archive. archives. Euh, ouais. ouais. Mais euh, ce qui m'étonne, tu vois, c'est que elle est, euh, elle est là, mais elle a, elle a l'air d'être euh, en visiteuse et qu'on la laisse toucher des des archives déchirées euh, comme ça avec les mains, euh, alors que c'est sens... enfin, en général dans alors, ce genre de bécons. trucs. Euh, ben, soit, ouais. <laughs> est, normalement, tu es sous la supervision de quelqu'un qui te regarde en permanence. Quoi. Bon, par contre, elle connaît des stats sur la population berlinoise, c'est pas mal. Hein. Mm. Elle est capable de dire Oui, à Berlin, il y a tant d'hommes tant de pourcents d'hommes, de, tant de pourcents sont d'origine slave, tant de pourcents entre 49 et 50 ans. Donc, au final, même s'il y a eu 25 millions de personnes qui ont vécu à Berlin, ça ne fait que 71 243 personnes à chercher. Et l'autre, elle est en mode. Mm -hmm. je pense qu'elle est folle. <laughs> la de est folle. et surtout, elle lui dit mais euh, qui est cet homme que vous cherchez? Mais, qui est-il est pour vous? qui est-il pour vous? Et elle dit je ne sais pas. <laughs> donc en fait. <laughs> elle, vraiment, elle passe pour une folle. Ouais, en fait, il y a un autre film où euh, diana est totalement folle. Euh, katia est totalement folle et elle a inventé toute cette histoire et tout se passe dans sa tête. Ah, surtout, surtout, il faut dire son nom. elle s'appelle katia vandis. oui. Plus tard, nous allons apprendre Ah oui. pourquoi elle s'appelle Katia Vandis. Ah oui. Ah <laughs> oh putain, oui, c'est Mais vrai. Pas tout de suite. C'est oui. Euh, elle repart en bus et la meuf est un peu, euh, comment dire, aux euh, aguets. Elle est, ah, ah, euh, elle est euh, pas hypersensible, elle est euh, hyper vigilante. Oui. Euh, Éveillée même à ce point. Euh, non, mais euh, c'est... Ça pourrait être la dépiction d'un vrai problème que des vrais gens ont, c'est qu'ils sont trop, euh, trop sensibles aux stimuli extérieurs, etc. Oui, parce euh, Les que bruits et tout. Mais là, par contre, non, non, tu en fait. fait. c'est début... un peu trop. <laughs> ouais, parce qu'on ne sait pas qu'elle a des super pouvoirs. On va l'apprendre après. Mais la première scène où on introduit effectivement le fait qu'elle soit hyper vigilante, comme tu dis, on a l'impression qu'elle est juste en manque ou enfin, qu'elle a oui, un problème, quoi. C'est. Après, après c'est un parti pris qui, qui pourrait être intéressant si on nous avait, comment dire, un petit peu plus euh, impliqué dans son, dans qui elle est et dans son personnage. Mais là, pour l'instant, c'est juste, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est juste un personnage secondaire ou un, elle est ce qu'on pourrait appeler un McGuffin. Hein. Elle est l'objet le, 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 de la qu'on qu cherche et qui qu justifie l'avancement le, 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 du scénario. Quoi. Mmh. Mais euh, alors, alors qu'elle est normalement le personnage principal. Alors elle est dans son bus, il y a un mec qui la suit mais elle ne le capte pas. Euh, elle se rend chez un faussaire pour acheter un faux passeport. Voilà, euh, elle met la pression au faussaire mais on s'en fout un petit peu. Alors elle... le faussaire, parlons-en, pourquoi est-ce qu'il lui donne un passeport pourri <laughs> euh, avant de lui donner un bon passeport euh, bah, je sais pas, elle voulait l'arnaquer, mais surtout, il, moi je me dis. Mais... Sur surtout le passeport, que, euh, il y a la photo. Peut-être pas. Peut-être que le passeport, il est prêt à être. T'as juste ouais. à mettre la photo dessus, je sais pas. Mais par contre, euh, elle, elle le menace, elle, elle, elle négocie pour avoir un bon passeport en lui disant euh, qu'elle pourrait entacher sa réputation en disant. En, Google en, avis. en, ouais, en disant <laughs> qu'il donne des mauvais passeports. Mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il l'arnaque en lui donnant un mauvais passeport, quoi si 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 justement il a peur d'avoir une mauvaise réputation de gars qui donne des, 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 des trucs de mauvaise qualité pourquoi est-ce qu'il essaye d'aller de l'arnaquer en lui donnant un truc de mauvaise qualité Est-ce que tu suggères que c'est mal écrit Non pas du tout ça okay. c'est pas mon genre. Et puis euh, c'est là où on va avoir une scène qui va nous expliquer les fameux pouvoirs qu'elle a. Elle repart et dans la rue elle entend des cris. Et grâce à ses super pouvoirs, elle arrive à localiser à peu près où c'est et à comprendre que c'est une dispute entre un homme et une femme qui a l'air de taper sa femme. Et donc, euh, alors j'avais jamais vu ça, mais elle appelle la police grâce à une sorte de cabine téléphonique qu'il y a dans la rue. Où tu as oui, juste un, un, genre, un genre appui, de bouton d'alerte. De... Ouais. Ouais. Et ça fait sonner la Le alors, dénonciateur 3000. Hein. Mmh. De marque euh... Siemens d'ailleurs. Bah, bah, allemand. Retour à l'agent 47 qui lui continue les recherches depuis son ordi à l'hôtel. Voilà, juste ça. On voit faire des recherches. Enfin, on voit allumer son ordi, lancer une recherche et faire autre chose. On retourne à cette femme euh, qui, elle aussi, arrive chez elle. Euh, alors j'ai noté, elle a l'appart de la parfaite complotiste avec des cartes, euh, des photos, du fil épinglé qui relie les photos à des articles de presse, etc. Je pense vraiment qu'il y a un autre film. Tu sais, on, on, C'est le faux sourire du film là, qui a une série qui s'appelle Cut où il remonte euh, les films mmh. pour en faire autre chose. Franchement, tu peux en faire un film où, où Katia est folle et invente toute cette histoire. Ou un slasher avec un Jason qui a pas de masque et un costard. C'est vrai, ça marche aussi. Euh, mais pas de bol. 47, il a repéré euh, Katia sur les images de sécurité euh, et il a reçu l'ordre de tuer la femme et l'agent qui a été envoyé sur place. Donc, on sait pas qui est cet agent, mais enfin, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour récupérer Katia, donc 47 doit aussi. Grâce à ses super pouvoirs, Katia sent que 47 arrive, donc elle change de fringue, et là, j'ai écrit pourquoi ce plan, parce qu'en gros, à part la montrer à poil, ça sert à, enfin à Poel, en sous-vêtements, ça ne sert à rien. Elle récupère ses affaires et elle se casse. Donc, elle arrive avant que 47 arrive. Elle a réussi à lui échapper. On arrive dans le métro à Alexanderplatz et Katia, qui est donc euh, cette fameuse femme recherchée, elle se fait accoster par Sailar. Euh, comment Alors. il s'appelle euh, Zachary Quinto. Et on dit Platz, on dit pas Platze. Pardon, Platz. Pardon. Eh, Tu as raison, je n'ai pas fait euh, d'allemand. Les, les puristes euh, apprécieront. Donc, euh, je vais l'appeler Sailar que John Smith, parce que c'est le méchant de Heroes, mais c'est plus simple. Donc, ça est là, et prévient Katia que l'agent qui la traque, il veut la tuer. Donc il faut qu'il l'écoute, qu'il euh, lui fasse confiance, et qu'il suive son plan d'exfiltration. Et là où il est malin, c'est qu'il lui dit euh, « si, euh, euh, si vous voulez chercher votre père, parce qu'il croit qu'il lui apprend que c'est son père, si vous voulez chercher votre père, vous pouvez le faire, mais moi j'ai ordre de ne pas vous aider. Par contre, euh, si vous avez des questions, je peux répondre. Mmh. <laughs> et du coup, elle est là devant sa carte et tout, à chercher, à lui poser des questions pour essayer de trouver l'endroit où il pourrait se cacher, etc. Ah, mais ça c'est après. C'est <coughs> après. Ouais, là, on, on est, est dans, dans, le, là, dans, là, dans le métro là. Ah, on est encore dans le métro, pardon. Ah bah attends, il y a un gunfight quand même. Ah oui. Ah oui, oui, effectivement. Ah, oui. Y plein... ah. oh, là, là. Hey, il y a plein. Oh là là, t'as sauté une demi-heure là. Il s'est placé plein de trucs. <laughs> de mille... <laughs> Parce que, donc, 47 arrive. Donc, on commence un gunfight entre Sailar et 47. Et j'ai noté avec des plans à bien vous faire vomir. Parce que, par exemple, Sailar, il fait une roulade. Et bien, la caméra, elle fait une roulade aussi. Oui, oui. Il y a, y, a, y, a, y, a y a pas mal de plans euh, façon première personne ou, euh, ou, euh, ou troisième personne, mais qui suivent vraiment le, 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 le personnage, le point de vue du personnage. Du coup, oui, effectivement, la, la roulade. Euh... Ouais. Et puis quand il tombe sur les rames du métro, bah, la caméra elle fait aussi une chute libre. Vraiment, c'est des, ouais. des des mouvements de caméra qui sont. Je, je comprends ce qu'a essayé de faire le Real, mais ça rend pas bien du tout, quoi. Et ce que j'ai pas compris aussi, c'est qu'à ce moment-là, 47, il ne tue pas Saïlar et, et il ne cherche pas à le tuer en fait. Il cherche juste à le neutraliser. Et donc du coup, Saïlar, à chaque fois, il retourne à l'assaut de 47, mais euh, il aurait pu le tuer trois fois, quoi. Il faudrait pas. Il faudrait pas euh, gâcher trop vite la surprise du fait qu'il n'est pas tuable. Ouais. Euh, Katia arrive à trouver la voiture d'exfiltration. ça là aussi. 47 aussi. Donc 47, il fait un headshot à 800 mètres avec un pistolet dans le, la tête <laughs> ben, du chauffeur de la voiture. T'es dans le mode wow, pas mal. Tu sais, les, 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 les Calibre 45 Bollers de, de, de 47, ils permettent. Mmh. C'est un peu le pistolet à tout faire. Ouais, bah oui, là. C'est un pistolet sniper. Euh, donc ils doivent continuer à appuyer les deux fuyards, euh, mais Saitler a une bonne idée, je trouve, bonne idée scénaristique. Pour se protéger, il va devant l'ambassade des États-Unis, il tire en l'air, il se fait embarquer. <laughs> il aurait pu juste se présenter avec une arme, je pense que ça aurait suffi. Il avait pas besoin de, de tirer en l'air. C'est vrai, mais c'est un peu plus de panache. Mais là, je me dis, il est malin parce que, enfin, c'est pas con, tu vois, de te faire enfermer dans l'ambassade des États-Unis. Effectivement, ça sera un endroit un petit peu plus dur à accéder que euh, n'importe quelle autre planque. Alors Katia se fait interroger, et très vite, euh, elle comprend que 47 vient aussi de rentrer dans l'ambassade. Donc il a eu le même stratagème. Il est rentré avec euh, son fusil sniper et ses pistolets. <rire> Alors, <rire> pas exactement le même stratagème, mais euh, beaucoup plus gros, euh, grosse couille, on va dire, comme, euh, comme truc, comme idée. Donc j'ai écrit ces problèmes avec les bonnes idées, elles sont tout de suite copiées. Euh, donc 47 va en interrogatoire aussi. Et c'est le début de la bande-annonce qu'on a écoutée. Euh, en fait, 47, il met un énorme coup de pression au chef de la sécu de l'ambassade en lui disant T'aimes tes filles, t'as envie de vivre <laughs> euh, Et il lui dit surtout, parce que euh, le chef de la sécu lui dit Non mais euh, t'es gentil Zozo, mais euh, t'es enfermé ici avec moi, donc tu vas te calmer et l'autre, il lui répond « Non, c'est toi qui es enfermé avec moi. » Alors, justement, euh, on peut parler de, 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 de comment il se libère et de euh, la question de est-ce qu'il compterait là-dessus euh, Parce que le gars, euh, donc, tu l'as dit, 47, il, a, il rentre avec son fusil, à, son fusil à lunettes. Sauf que il rentre avec son fusil à lunettes encore dans sa mallette, et justement, il se fait arrêter parce que c'est le gars qui, qui scanne le, le, la valise qui voit au rayon X qu'il y a un fusil dedans. Euh, mais donc le truc est démonté. Et là, le gars qui fait l'interrogatoire ramène le fusil entièrement monté <laughs> dans la salle d'interrogatoire. Et, et sous le coup de pression de 47, qui lui dit est-ce que tu aimes tes enfants, est-ce que tu es prêt à mourir pour eux, etc., euh, le gars euh, prend la mouche, met une balle dans le fusil et le menace. C'est tout à fait cohérent. Donc le fusil posé sur, la table, sur la table qui vise 47. En qu vise 47. Donc euh, question, est-ce que 47 est euh, ultra intelligent, voit dans le futur et sait, et sait que ça va arriver Ou bien est-ce qu'il avait un autre plan Et j'aurais bien aimé savoir quel est cet autre plan, parce que euh, sans le fusil qui est assez qui, qui est assez euh, puissant pour euh, casser le casser son sa chaîne de, de, de menottes, qu'aurait-il qu fait quoi Je me demande bien. Moi, je, je tiens à dire que ce film a beau avoir de nombreux défauts, je trouve qu'il y a quelques scènes comme ça tirées tout droit d'un film de Bollywood comme RRR ou des trucs comme ça qui <laughs> rendent... C'est une petite cerise <laughs> sur certains passages. C'est vrai que c'est stylé. Il y a euh, un vrai truc... Euh... un gros tas de caca, c'est bon. Non, mais la cerise... Euh, voilà, il y avait une cerise quand même, ça rend joli. Mais moi, okay. je tiens à dire qu'il y a beaucoup de plans de films dans les passages d'action où je trouve que ça fait très Bollywood. Genre, il y a le fameux plan Bollywood où il y a quand même à un moment une voiture qui se prend un truc devant et qui fait un salto et se retourne. Oui. Le truc qu'on voit dans tous les films Bollywood. Donc, pour ah. moi, ce film est un film Bollywood. Ok, autre théorie. Euh... Donc il se libère. Donc, ouais, Donc, ce qu'il faut dire, c'est que. Il met un coup dans la table, le fusil tire, il tend son bras, la balle rompt la chaîne de la menotte. Euh, de son bras, euh, on va dire à droite ou gauche. Gauche, plus, gauche, gauche, gauche. Hein, gauche. Et il s'en sert du coup pour désarmer les deux gardes qu'il y a derrière lui, se libérer et menacer le chef de la Sécu. Il est, il est fort. Hein. On note que du coup, euh, ça lance les alarmes. Bah, tu, le, tu le mets ensuite, mais donc, euh, ça lance les alarmes et euh, donc, euh, Sailor John Smith, euh, là aussi, idée assez, assez sympathique, se jette dans la vitre. Euh, de la salle d'interrogatoire où il est pour la casser et se, et se libérer et rejoindre Katia. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, euh, donc là, on a le premier clin d'œil au jeu, parle enfin, le deuxième clin d'œil au jeu vidéo, parce que le premier, c'était les, les flingues. Euh, 47 pique l'uniforme d'un des deux gardes. Et après, il repique l'uniforme d'un militaire qui croise. Ouais. Euh, le... je, je, sais pas, je sais pas trop pourquoi, du coup, euh, on a ce, ce coup de double double bah, vol de alors je me suis dit parce qu'il a, il a quand même son énorme sniper qui fait 5 mètres dans son dos ah oui et il a peut-être l'uniforme qui va pas avec le fait ouais, d'avoir un le fusil, garde hein. ça passe pas quoi oui il <laughs> se fait interpeller par le garde auquel, auquel il, il vole ce, parce mmh. qu'il a un espèce de, de le premier uniforme qu'il vole c'est un espèce d'uniforme pas, pas d'apparat mais <laughs> mais ouais de on va dire d'uniforme euh, pas, pas officiel civil, mais... pour les cérémonies euh... voilà ouais <laughs> Et alors que l'autre qui vole, qui vole c'est plus un uniforme de terrain qu'un uniforme Exactement. de ouais. Donc, nos deux héros se barrent hors de l'ambassade, ils braquent une voiture de police et 47, lui, il monte sur un toit. Donc, pendant qu'il monte sur le toit, Sailar, il explique à Katia qu'elle est en train de chercher son père, que son père, c'est le créateur des agents. Et à ce moment-là, 47, il arrive à toucher Katia à 1600 mètres en tirant une balle entre deux immeubles et un métro. Peut-on dire que c'est qu abusé? Sont, alors qu'ils sont en, en train de rouler en bagnole. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut <laughs> dire que c'est abusé? Non, ce sont des, c'est un surhomme. Il a été génétiquement amélioré, programmé pour être, pour être doué comme ça. Moi, je, je non, je ce n'est pas abusé. abusé. Non. Et puis en plus, là, la, la, la réelle se fout de notre gueule parce que donc, il y a ce coup de feu. On voit Katia qui est touchée. Et là, on a un fondu. Un, un léger suspense, oui. Elle est touchée et euh, <coughs> le fondu Jones est Miss dégueulasse. Moi Katia, aussi, j'ai noté. Katia et puis voilà. Ouais, le fondu est dégueulasse. Et scène d'après, elle est nue sous la douche. Pourquoi Alors, euh, bah, elle est nue sous la douche parce qu'il fallait euh, se laver. C'est mieux d'être nue sous, sous la douche pour se, se laver, C'est l'œil. Hein, <laughs> hein, et... <laughs> mais oui, non, mais clairement, il y a du male gaze dans ce dans ce mais film. Au, fin, au, au final et, et, mais après plus tant que ça une fois qu'elle est euh, comment dire une fois qu'elle est, euh, oh, il, y a qu est même, hein. il y a la piscine quand même on admet qu'elle est badass enfin euh, que le film admet qu'elle est badass il euh, y a plus elle est plus euh, comment dire euh, habillée avec le cliché, euh, avec des trucs trop moulants etc donc je sais je sais pas ah mais moi je parle même pas très étrange tant des habits mais c'est vraiment euh, j'ai l'impression d'avoir le réel de des de live quoi qui euh, filmait euh, tous les culs qui pouvaient, euh, ouais, <laughs> c'est vrai. Euh, alors où j'en suis Oui, donc elle a juste une éraflure au bon bras, bon. donc ça va. Euh... C'est pas une éraflure, hein. elle a, elle a, elle a, elle a, elle, a, elle a pris un truc dans le, elle a une balle dans le bras. Ah, moi je cru que c'était une éraflure. Ouais. Euh, de... Faudrait faire un arrêt sur image, mais j'ai l'impression que la blessure, c'est vraiment une, une, un truc qui est rentré, quoi. Ok. Euh, dans la chambre d'hôtel. Plus que ça. Non, c'est pas tant que ça. Dans la chambre d'hôtel, moi je trouvais qu'il se passait un dialogue. Après, c'est 1600 mètres. Hein. Le, la balle a fini par ralentir assez euh, pour pas la. Je pense que c'était calculé. Les 47 ne voulait pas je la pense tuer. C'est ce qu'on demande un expert balistique. Non, mais que... on, il nous le dira plus tard. Il voulait juste la marquer. Il voulait pas la... il, En fait, il y a un tracker dans sa balle. Hmm. Un tracker qui n'a pas du tout pris cher en traversant les deux vitres du métro ah, du et, et la vitre de la voiture. Euh, donc, on a un dialogue chelou, ou alors qui est mal écrit et mal joué. Euh, mais ça sert à faire avancer l'histoire. Donc, Katia ressort sa petite panoplie de complotistes, et les deux vont jouer à un jeu... Attention, je vais éternuer. <coughs> Pardon, je vais éternuer. Donc, ils vont jouer un jeu qui est entre le qui est et le où est Carmen San Diego. Donc, comment joue-t-on à ce jeu euh, Katia dit, euh, est-ce que mon père est malade Sayla répond, oui. Euh, Je sais plus. Euh, genre, il a de, de l'arthrite. Euh... Ah oui, arthrite rhumatoïde, etc. Rhumatoïde, ouais. Il, ouais. il ah, aime euh, les pays chauds. Donc, il aime les pays chauds. Hop et on enlève des trucs de la carte, ça nous permet de nous rapprocher. Euh, est-ce qu'il a des hobbies Oui, il aime les orchidées. Oh Où est-ce qu'on trouve des orchidées et, et en fait, grâce non, à il, ça. Il est, il est, sur, il est surtout euh, biologiste spécialisé en botanique euh, les, mmh. des, et les orchidées, ce qui était d'une un, grande utilité pour créer des surhommes, des assassins ah, oui. surhommes. Euh, et du coup grâce à ce jeu elle arrive, elle a trouvé qu'il est à Singapour mais elle ne le dit pas et, et, et Saylar il commence à devenir insistant et tu te dis en fait lui il serait peut-être pas si gentil que ça mais surtout sauf que c'est quoi c'est Saylar <laughs> sauf qu'en fait 47 arrive et puis bah, il tue Saylar et, et il kidnappe Katia là on a un plan sur le méchant de Singapour sur sa table blanche qui est pas content et puis c'est tout alors 47 réveille, enfin euh, Katia se réveille, il y a 47 qui l'a attaché. Et euh, il essaye de gagner la confiance de, de Katia. Attendez, il faut que je retrouve. C'est ici. Euh, et on découvre un autre pouvoir qu'ont 47 ben oui. et Katia. C'est l'échange de souvenirs en se touchant la main. <laughs> Alors, je ne suis pas certain que ce soit ça. Je pense que c'est surtout avec les, les choses qu'il dit. Ça déclenche des souvenirs chez elle, et le fait qu'il la touche, c'est juste parce que ça la met en état de stress. Euh, on l'a vu, elle n'aime pas se faire toucher par les gens. Alors peut-être soit parce que son hyper-vigilance lui permet de, de entre guillemets, euh, lire dans les pensées, ou alors c'est juste qu'elle est euh, hypersensible à ce, ce sujet-là, mais ouais, ça doit être euh, une combinaison des deux. Mais ouais, c'est vraiment <laughs> Moi je dis release the bar cut, hein. Il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Je suis sûr qu'en fait il y a une version de 4 heures qui est très bien. <laughs> en noir et blanc. <laughs> en 4 tiers. Ouais, en 4 tiers, ce que j'allais dire. Euh, alors, 47, il a aussi joué un jeu. Donc, il a attaché Katia à une chaise devant un réacteur d'avion. Il démarre le réacteur d'avion et lui dit Tu dois te libérer toute seule. Voilà. Euh, sinon, elle meurt. Et elle arrive à se libérer. En faisant un joli poirier. Encore une fois, on filme ses fesses. Et j'ai trouvé que c'était un poil ridicule. Mais bon. bon c'était le moment combre du film. Ah oui, c'est vrai que Lara Croft fait ce genre de, de pirouette. Euh... Alors, on en est où Oui. En marchant, donc elle sort, voilà, ils vont discuter. Donc 47 essaie de lui dire d'écouter sa vraie nature, que son père l'a programmée pour analyser une situation mieux que personne. Euh, et c'est là en fait où on apprend qu'elle s'appelle Katia90, c'est ça? Hein eh, katia 2010 en fait, il lui, sait, hein. il lui dit Vous ne vous appelez pas katia 2010 mais 90, ça veut dire euh, 97 en français. Euh, ni, euh, 90 en, en <laughs> 90, français, pardon. En, en français. Et elle lui répond Donc ça veut dire que je suis une version 43 fois, 43 fois meilleure que toi. Bam! Bon, là les deux ils vont commencer à faire équipe. Donc Katia elle lui dit. À gauche, à droite. Et du coup, les soldats arrivent de ce côté-là ou de ce côté-ci. 47 il les tue. Sauf que Katia, bah elle fait toujours pas confiance à 47, quand même. Donc elle s'enfuit, et là elle retombe sur Sailar et on se dit, bah merde, il est pas mort lui. Bah oui, il n'est pas mort. Et en plus, il l'assomme. 47 débarque, et là, on a encore une fois de la bagarre entre les deux. Alors autant la première fois Sailar il était nul, autant là il arrête les, larmes, les lames de couteau. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, il prend un coup de couteau dans l'épaule, mais ça casse le couteau. C'est là où le film devient bien. Ouais. Alors, je ne l'ai pas noté, mais il, il y a un mec que tue 47. C'est assez stylé. Il a une sorte de tôle dans les mains. Une hélice euh, ou un truc comme une ça. Une palle, ouais. Une, ouais, une, une pale pale de réacteur, Et, et il fait genre un double tour sur lui pour prendre de l'élan comme un lanceur de, de marteau. Et il met un énorme coup dans l'épaule d'un soldat qui sectionne. C'est pas mal. Non mais le film, en vrai, genre on dit ce qu'on veut, mais les scènes d'action, il y a des scènes d'action qui sont vraiment stylées, hein. Genre c'est les rares moments où je levais mon nez de mon téléphone et je regardais l'écran. C'était quand il y avait des trucs comme ça. Et il y a aussi un moment où il ferme une grosse pince sur deux soldats pour les écraser. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est quand on compare à l'ancien Hitman qui était considéré comme trop gore et du coup ils ont voulu, ils ont refait un montage pour que ce soit moins gore et tout. Alors celui-là, par contre, il a rien à foutre. <laughs> euh, donc, bagarre, bagarre, bagarre. Euh, mais euh, alors que Sailar allait tuer 47, Katia le sauve. Elle ne tire pas sur Sailar, parce que de toute façon, ça sert à rien. Mais elle tire alors, dans alors, une vitre. Alors elle tire, elle tire, et Sailar ouais, lui dit, raté. Et non. la carte non. dit, non, pas raté. Elle a, elle a réussi. Et en fait, ça fait péter une vitre où il y avait le réacteur de, 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 de tout à l'heure, là. La turbine. La turbine. Personnellement, c'est un réacteur, hein, un avion. Et ouais. euh, en fait, le réacteur bah, crée un appel d'air. Donc, il euh, bah, y a tout qui s'envole. Il aspire des trucs, ça explose. Car il il aspire des gens aussi. Car 47 l'avait boosté, on l'a vu juste avant, au, au début de la scène. Ah oui, il programme une, une grue, il grue et c'est relié il, au réacteur. Il, -tu il, te dit, il, mais il, il le il booste ça. encore plus. Question. Euh, un truc de test de réacteur. Euh, notamment un truc ultra-puissant qui est capable d'aspirer des choses s'il est vraiment poussé <laughs> à fond. Est-ce que c'est est est bien de, de, de le faire avec une immense, devant une immense vitre comme ça Bah oui, pour que les gens regardent. <laughs> non, non, mais il n'y a pas trop de sécurité euh, à Berlin, dans l'industrie. On peut le dire, hein, c'est une, une fabrication de, de réacteurs en Allemagne. À Berlin, c'est euh, Airbus. Hein, oui. Forcément. C'est forcément Airbus. Euh, Diana avoue à 47 que son père est à Singapour. Mais pas de chance, la conversation est écoutée. Diana, Katia tu veux dire euh, Katia, pardon, oui. Et c'est elle est écoutée par Diana. Elle est écoutée par Diana. Hop. Euh, et donc Diana, donc, euh, celle qui a donné le contrat à 47, appelle 48 pour lui dire qu'il doit aller à Singapour sur le champ. Alors 48, on ne le voit pas. Non. 47. Ouais. On, on, voit on, on aperçoit juste sa main, on voit son, ses vêtements, mais on voit pas sa tête. Non. On est d'accord que 48, c'est quand même le fusil de Tchekhov le pire de l'histoire du cinéma. Oui. Ah oui parce que, après parce que vraiment, hein. genre, <laughs> genre, en fait, genre, tu l'oublies jusqu'à que tu te souviens et tout ça, pourquoi Bah, on le verra plus tard à la fin de, de à la fin du film Parce qu'il y avait une suite qui était espérée. Je sais pas. Ben, je sais pas. Euh, Sailar s'est réveillé, il retourne à la chambre d'hôtel et. Bah là, il se dit, ouais, ça doit être Singapour. Il regarde la carte et il se dit, ouais, non, ça doit être Singapour. Elle ne me l'a pas dit, mais je suis sûr que c'est là-bas. Il y a quand même un petit post-it rose avec marqué Singapour et des coordonnées euh, longitude, latitude. Hein. Ouais, ouais. Mais, question. Du coup, euh, le 47. Euh, il est plus ou moins sous, con... enfin, sous contrat de. Il, a plus ou... il est en plus ou moins en train de suivre un contrat donné par Diana. Il a, mmh. des... Il a donc des outils, et notamment dans ses interfaces d'ordi de... 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 ou de téléphone. Si je ne me trompe pas, euh, c'est des trucs faits par, par Syndicate. Bah, c'est ça qui n'est pas clair. Et pourquoi donc, du coup, euh, Syndicate et Diana ont. C'est bizarre le scénario il est bizarre parce que t'as l'impression qu'il bosse pour Syndicate mais en fait non parce que c'est Sylar qui bosse pour Syndicate oui là et du coup euh, 47 il bosse là pour, pour Diana qui, avec des trucs qui, euh, avec des, des, maths, des, des objets des trucs technologiques de Syndicate mais c'est mais le truc c'est en fait. que 48 c'est un agent de Syndicate c'est ça que je comprends pas à la fin de l'histoire hum. Il n'y a pas un moment donné où ils disent que les agents sont, vont, se sont envolés dans la nature suite à l'échec du programme où, ah, euh, ça ne dit rien. ils sont peut-être en freelance, hein, ils ne sont peut-être pas en contrat ouais. avec Syndicate. Ah, bah, il euh, que que est auto 47, il le dit. Hein. C'est les CDI versus les freelance, en fait, le film. <laughs> C'est sûrement ça. Ouais, C'est <laughs> une allégorie de, de la, de la lutte des, des classes. Des euh... Ah là là. L'autorisation ouais, euh, des tueurs donc, gages. Exactement. <laughs> euh, oui, donc à l'aéroport de Singapour, 47, il donne un nouveau défi à Katia. Il lui dit, évite de te faire gueuler par les caméras. Lui, il pique euh, le, la veste et la casquette d'un pilote, mais elle, il faut qu'elle fasse plus d'attention. Donc elle fait des, des petits trucs. Elle se cache derrière des gens qui ont des planches de surf. Elle fait du surplace un, sur un tapis. Mais euh, question. Euh, il lui donne le défi. Alors qu'ils sont à l'intérieur de l'aéroport, donc tout ouais. le temps qu'ils ont mis pour arriver là où ils sont, ça ne compte pas. Ils ont pas ils évité fait les caméras. <rire> <rire> okay. Et en fait, Bock de Bol, elle pense qu'elle a réussi, mais elle se fait repérer à la fin euh, par la caméra de dehors. Ouais. Quand même con. Euh, mais je tiens à dire, pour avoir été dans cet aéroport, il est très grand, donc c'est quand même pas mal qu'elle ait réussi à faire tout ça jusqu'à la fin, sans passer par le duty free. À l'hôtel, Katia fait une fixette sur le code barre de 47 et elle lui met un petit coup de pression en mode Ouais, t'es pas humain, tu ne ressens rien. J'ai trouvé qu'elle était un peu dure avec lui. Là. Je pense pas qu'elle soit dure avec lui. Euh, en fait, comme il le dit dans, le, dans la suite du, du dialogue, c'est que. Euh, elle, elle, se pose, elle, elle lui pose les questions à lui parce qu'elle euh, découvre qu'elle est elle-même euh, améliorée, enfin génétiquement modifiée, etc. Et donc elle se pose la question de elle, est-ce qu'elle est, est, qu est humaine ou pas? Et euh, donc elle lui pose les questions à lui pour savoir si elle en fait euh, elle, est, euh, elle est elle est comme ça aussi ou pas. Voilà. Ok. Là alors là on a du bon plan male gaze. Je suis même. On a Katia qui décide d'aller faire une petite trempette dans la piscine de l'hôtel. J'ai tellement pas souvenir de ça. Ah si, oui, je me souviens. Ah bah de ce si. ah, je te promets que euh, là, le réel, il se rince bien l'œil avec l'actrice et ça ne sert à rien. Parce qu'après, on, on est au matin. Euh, trois mecs arrivent rapidement dans la chambre de l'hôtel et 47 les aurait bien tués avec ses armes, sauf qu'il n'a pas ses armes à côté de lui. Donc il les tue à main nue. Et en fait, on se rend compte que c'est Katia qui lui a piqué ses flingues. Parce que, quand elle stresse, elle aime bien démonter des trucs. C'était probablement genre la raison la plus débile qu'il ait pas ses flingues. <laughs> genre, il y avait tellement de choses à démonter dans cette chambre d'hôtel. Non. Ouais, Mais bah, on, a, on a un aperçu de, de ce toc qu'elle a. Parce que au tout début, la première fois qu'on la voit dans son appart, on voit un appareil photo complètement démonté. Il ouais, y a ça. plein de trucs démontés. Mm. Ah, bien vu, Souzix, c'est vrai. Maintenant, ça me, ça me revient. Et pourquoi elle est flingue? Et d'ailleurs, ça fait une bonne comparaison avec Sylar de Heroes. Parce que son pouvoir à Sylar, c'est qu'il pique les pouvoirs des autres en regardant ce qui se passe dans leur cerveau. Et à la base, c'est un mec qui démonte les montres. Ouais, c'est ça. Euh, on se rend dans la serre du parc de Singapour. Katia retrouve son père. Bon là je me suis dit quand même sacrée coïncidence quoi. Le mec tous les matins à 9h, il est quand même là pour regarder les orchidées s'ouvrir. Et bah, il est là le jour où sa fille arrive. Euh, et il décide de faire une petite marche pour parler sur un pont suspendu où tu n'as aucun endroit pour te cacher. J'ai trouvé que ce n'était pas très safe. Ils auraient pu rester dans la serre, mais non, ils vont marcher sur ce pont suspendu. Donc là, son père lui explique que s'il si a programmé sa fille, c'est parce que lui et sa mère voulaient l'aider à survivre dans ce monde. Parce qu'elle lui dit, mais t'avais pas le droit de demander aussi... Euh, hyper vigilante donc il lui explique pourquoi euh... et on apprend aussi que le mec qui est dans le bureau blanc de Singapour bah, c'est le responsable c'est le, le, le chairman c'est le CEO et en fait il ne quitte jamais son bureau comme ça il est sûr de ne pas être tué je me demande où est-ce qu'il mmh. va faire caca d'ailleurs t'as oublié un petit un petit truc, un petit détail important quand il sortent de l'hôtel je viens de penser ah ouais. le moment où le moment où 47 échange un couteau contre de la ventoline euh, ah oui c'est oui, une préparation paiement préparation paiement fusil de Tchekhov encore apprend qu'il a besoin de, de que le père de katia a besoin d'un inhalateur pour, euh, pour respirer oui parce qu'il a un cancer du poumon mais c'est ça, pas ça, je ça que bizarre hein. il, il donne le couteau euh, à la à la meuf et euh, la minute suivante il lui reprend le couteau sur, de, de lui reprend le couteau euh, en, en la pickpocketant. Tout à fait. <laughs> Pour le donner au gamin. Donc là, t'as 47 qui arrive, et euh, le père dit, vas-y, je suis prêt, tu-moi, patati patata. Mais non, il ne tue pas parce que Katia elle lance un grand débat Sommes-nous ce que nous sommes de par nos gènes et de notre héritage ou de par nos choix est-ce que, que, est que nous sommes ce que nous êtes, sommes programmés pour faire ou bien est-ce que ce sont nos actions qui déterminent ce que nous sommes mm -hmm. C'est beau. L'inné, l'acquis, tout ça. En tout cas, 47 ne tue pas le père de Katia. Par contre, il tue des mecs qui étaient autour, qui étaient là pour tuer tout le monde, et commence une course poursuite qui, à mon avis, a bien plu à Taldus. Entre une Audi rouge qui ne passe pas inaperçue et des motos dans un parking souterrain. Euh, Surtout, que, la scène est plutôt sympa. Alors, notons que donc Katia euh, a été un peu a un peu bâclée son sa scène de cache-cache à, euh, à l'aéroport. Donc, elle a été repérée quand ils sont mmh. partis. Ils venaient de voler la voiture rouge. Euh, donc, les caméras ont pu repérer la voiture et la plaque. Et derrière, ils ne changent pas de voiture. <laughs> ils utilisent cette voiture euh, pour tout faire. C'est au top. Oui, mais c'est une belle voiture. Pourquoi ah, tu changerais alors que c'est une belle voiture C'est vrai. Le confort Audi. Ah ouais, la base. Ce podcast est sponsorisé par, <laughs> par les SUV de chez Audi, les plus écologiques qu'ils soient. C'est pas un SUV, c'est une quoi C'est une. Non non c'est non c'est pas une TT, c'est une une A 4 ou une A 5 euh, ouais. En En RS, bien sûr. Mais bref, euh, scène sympa, au final ils arrivent à s'en sortir. Mais ils ont quand même cette Audi bien rouge qui déambule très vite dans les rues de Singapour. Donc on sent qu'ils vont se faire repérer quand même assez vite. Et là, en plein Singapour, il y a des mecs qui commencent à tirer des harpons sur la voiture. Ça c'est stylé, ça c'est stylé. Avec des câbles en acier, ça fait un peu Fast and Furious. Ouais, cette scène. Donc il y en a un, puis il y en a un deuxième, puis très vite il y en a plein. Euh, ouais, 10 comme tu dis, hein. au moins 10. Qui immobilise la voiture. Donc 47 il, il appuie à front sur le champignon, mais la voiture ne bouge plus bien sûr. Donc il sort. Donc là tu des... En fait au bout des câbles, tu as des sortes de soldats donc, qui commencent à descendre en rappel au bout des câbles en, pour en, aller En, tuer, en tyrolienne c'est ouais. le En tyrolienne, ouais. En tyrolienne, ouais. C'est une, une scène bon, digne de Fortnite, tiens hein. à oui. le dire. Hein. <laughs> Eh oui, totalement. Donc 47 il sort, puis il tue tout le monde avec ses flingues. Bam pam. Bam, bam, bam. Avec euh, pareil le classique ben, qu'on a déjà eu au tout début, euh, caméra tournante autour de lui, euh, les bras en l'air, euh, en train de viser euh, à gauche, à droite avec son, ses, ses deux pistolets euh, magiques. Il flexe un peu. Ouais. Et euh... surtout, le dernier euh, qui arrive, il n'a plus son pistolet ou il n'a plus de balles. Donc qu'est-ce qu'il fait avec son couteau, il tranche le câble en acier. Parce que oui. Il doit faire 3, 2 ou 3 cm. Qui doit faire 2 cm, là, c'est magique. Mais c'est pas grave, il le coupe et du coup, le mec se casse sa gueule. Donc, là, on va arriver face à un dilemme. Les trois s'enfuient, mais le père prend une balle dans la jambe. Donc, bah, il, il est moins mobile. Déjà, je trouve que le père, pour un mec qui a un cancer de type 3 du poumon, il court plutôt vite. Oui, il n'a pas beaucoup utilisé son inhalateur, je trouve. Ouais, mais c'est parce qu'il a de ventoline tu vois. Ça évite son asthme des poumons du cancer, là. Oui, mais je ne sais plus. Quand on le voit au début, il discute avec elle et tout. Il utilise son inhalateur alors qu'il est immobile. Il l'utilise deux, trois fois. Et ensuite, après, il court, mais vraiment, je ne sais pas, ils font un 100 mètres. Et là, pas besoin d'inhalateur, pas de souci. Mais c'est pas grave. Donc, le père est dit à 47, emmène Katia avant que les autres n'arrivent, euh, je vais gérer. 47 le fait, mais avant, il glisse quelque chose dans la veste du docteur. Discret. Ah euh, Enfin, pas on, on, on voit, je crois, on voit que c'est le Ouais, on voit c'est quoi Donc on peut le dire c'est l'inhalateur qu'il qui a volé au gars. L'inhalateur. Et on, on, on remarque euh, on note que le, le père enfin que le père de Katia s'en rend compte. Oui. Euh, à la fin, il y a un plan sur lui, il tâte sa poche, il fait "Ah, j'ai un truc dans ma poche." <laughs> Katia, elle, elle est énervée, elle dit « Ouais, t'es un connard, tu m'as laissé partir sans mon père, patati patata ». Donc 47, ce qu'ils lui disent, c'est Calme « Calme-toi », et boum Une petite aiguille d'acupuncture dans l'épaule. Dans, dans la main Dans la main, non Ah, dans, dans la, la main, main Dans la main, ouais. Et bah, hop, Katia, ça l'endort. Je connaissais pas ce point de pression magique qui endort <laughs> les gens. <laughs> Alors, moi, la... je l'ai pas, pas compris comme ça, moi, je l'ai compris comme genre une petite aiguille empoisonnée avec un oui, truc au bout. Je, je pense qu'il qu y a de ça, et euh, à mon avis, on la, on la voit le planter, je sais plus. Mais, euh, oui, la plante, mais euh, c'est tout. Quoi. Parce il que, le... Le... enfin, on est d'accord que pour endormir quelqu'un avec un truc que il faut y aller, quoi. Faut, faut, injecter un truc directement dans le sang, oui. euh, mm. avec en, en une bonne dose. Là, euh, ouais, c'est encore pareil. Il a, il a, accès à des produits incroyables. De l'autre côté, donc, ça là, il récupère le docteur. Donc, comme on l'a dit, le docteur, il a, il a compris qu'il y a quelque chose dans ses poches. Il l'emmène dans une salle d'interrogatoire et puis il le torture un peu. Donc il lui fait injecter oui. un truc. Il, il, il lui injecte euh, un, un liquide bleu shroomuve. <laughs> et euh, c'est euh, apparemment ça, ça, le, ça rend le docteur tout rouge. Oui, bah, il devient bien rouge. Hein. Ouais. Et, euh, et il souffre, on dirait. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Moi, il y a un truc que je me pose. Alors, je suis pas expert en cancer malheureusement, mais euh, un mec qui a un cancer du poumon qui a l'air quand même assez d'être quand même. À part moment vénère, genre tu le tortures, tu lui injectes de la drogue, genre à quel moment il va pas juste clamser directement <laughs> Ah ouais non mais clairement, clairement. Ouais, ouais mais en même temps, euh, il chauffe un petit peu le Sailar, le docteur, parce qu'il dit oui, tu ne seras jamais au niveau des agents. Tu ah oui, penses que c'est ton oui, corps, c'est es... ta puissance, alors qu oui, plus que c'est leur esprit. Parce qu'on on, l'a dit, euh, Sailar, il est en fait une euh, armure en. En nanotitane liquide ou je sais pas quoi. Ouais, ouais qui est un... Ouais, est, est un titane sous-cutané. Sous-cutané. Injecté dans la peau. Et euh, il a apparemment aussi une... été amélioré un petit peu euh, au niveau vitesse et force. Alors, c'est pas vraiment Wolverine. Je pense juste que si euh, Zachary Quinto et Wolverine fusionnaient, ça ferait un être parfait, tu vois. Wolverine, <laughs> c'est les os. Lui, c'est la peau. Je pense qu'il est intuable après Wolverine. Par contre, il coule sous l'eau. Ah non, parce que ah, s'il si avait la Wolverine, peau et les os, il ne pourrait pas sortir se ses griffes. Ah, ouais! Non, mais là, c'est du titane, c'est pas de l'adamantium. Ah, c'est une. Ouais, euh, ça et puis, c'est sous forme liquide, ça se durcit sous les chocs. Enfin, c'est magique. Euh, alors, sans qu'on sache pourquoi, le boss du syndicat que, qui n'est jamais sorti de sa bulle protégée depuis 15 ans, bah, là, il sort. Euh, et en fait, il veut parler au docteur en tête à tête. Donc, il se rend dans la salle d'interrogatoire, ils sont tous les deux. Du coup, c'est branle-bas de combat. Hein, le, tout, le, tout, tout le monde suit le boss pour le, mmh. pour le, pour le couvrir. Et le docteur, il ne veut pas lui dire comment on fait des bébés et des agents. Il dit non, non, je ne te dirai pas. À ce moment-là, 47, il décide de pirater le système audio, le système audio pardon, de la tour du syndicat pour mettre des petits coups de pression à Antoine, le grand patron du syndicat. Antoine Leclerc. Mmh. Ouais. Euh, et 47 il propose d'échanger le père contre la fille parce qu'en fait il dit vous cherchez le père depuis tout à l'heure mais vous êtes con c'est la fille qui est en fait euh, l'agent ultime c'est elle que vous devez étudier pour euh, savoir comment on fait des agents euh, tip top alors il dit donc Antoine pose la question mais pourquoi tu ferais ça et il répond bah, parce que je vais toujours au bout de mes contrats et ça le sens du service c'est important quand on, a un, quand on est un agent c'est important quand on est un freelance euh, qui euh... <laughs> Dans la gig economy <laughs> de la start-up nation. Euh, et alors, bon, je, on ne on va, va pas débattre sur comment est-ce possible que 47 ait pu mettre Katia endormie dans un hélicoptère en, en lui ayant attaché les mains au joystick que cet hélicoptère ait décollé et se retrouve pile poil en face de la salle d'interrogatoire. <laughs> Notre lui donc, il est pas dans l'hélicoptère. L'hélicoptère est en Qui mode autopilote, okay. Mm, ok. Mais euh, un, un, un hélicoptère en autopilote, l'autopilote, euh, ce c'est pas, pas comme les, les drones aujourd'hui où tu peux programmer une trajectoire et tout ça. Euh, Mais donc, ça veut dire qu'il euh, qu télécommande l'hélico pour l'amener à cet endroit-là, qu'il télécommande l'hélico du coup depuis là où il est, et comme on, le vo on voit le, le gros plan sur lui, là, il a un casque de, de pompier. Donc, on sait qu'il est, euh, qu est, est déguisé en rompier hmm. et qu'il est donc euh, prêt à, à arriver. Donc, ouais, il est très, très dire. fort. Il est juste très, très fort. Il est très, très fort. Euh, donc, Katia, bah, pendant qu'il y a cet échange, est dans l'hélico. Elle se réveille et elle fonce sur la tour. De toute façon, elle ne peut rien faire d'autre parce qu'elle est attachée au joystick de l'hélico. Elle, et... elle est attachée au manche et là, ouais. elle comprend qu'il l'a attachée au manche exprès pour qu'elle puisse euh, amener l'hélico dans, dans la tour en fait. Mmh. Ouais, fait mais fait. pas obligé de l'attacher. Ah bah si, pour que comme ça elle, elle, elle est ce, ce petit, cette petite ce, on a ce petit rappel là, elle est attachée avec la même type de corde de quand elle était attachée, donc elle fait le même mouvement vers l'avant euh, qu'elle avait fait pour se détacher de, de la chaise. Et donc ça ça, ça fait avancer l'hélico. Et donc là, c'est de justifier que... l'injustifiable quand même. Ah bah, non, mais de base, c'est pas justifiable que l'hélico soit là. Donc après, on peut tout dire. Euh, alors, je vous la fais courte. Mais le grand chef, bah, il est emmené en sûreté avec le docteur sur le toit. Pendant que 47, lui, il va se battre contre Sailar. Et il euh, bah, y a un ouais. truc un peu stylé parce qu'il met des coups de poing en même temps qu'il tire avec son arme. Ça fait genre, il a des super pouvoirs parce que il met Chut. des grosses tatanes, quoi c'est du ouais. gunfou comme dans Equilibrium tout à fait mmh, exactement euh, et, et là euh... bah oui il remarque que dans le mur euh, euh, sailar John Smith défonce le mur en essayant de donner des coups de poing à 47 et 47 remarque qu'en euh, défonçant le mur, en fait c'est le mur où il y a l'espèce le, de map monde lumineuse là, du, dans le bureau du chef et, euh, et du coup ça met, à, ça met à nu un énorme câble électrique qui fait des petites étincelles et du coup 47 le cache avec sa tête pour pas que John Smith le voit et avec une espèce de petite pirouette avec son son sa corde de piano, il l'étrangle et en même temps, il lui balance la tête dans le ou c'est comme c'est un, un truc en métal, ça c'est pas vraiment une corde de piano mais c'est un, un truc en métal. Il le branche sur le dessin. Il, ouais. il le branche donc il éle il électrocute. Et par contre, et je sais petit pas si vous avez remarqué, plan sur la ah, sur la tour qui s'éteint et ouais, oui. qui se rallume. Qui se rallume. Et derrière, on ne voit pas euh, le corps de John Smith. Euh, et là, je me suis dit « Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué, ils nous font un gros plan sur cette personne, euh, sur son cadavre. » Et là, il n'y a pas de gros plan sur le cadavre. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Tu es malin, Emeric. Alors, on et continue oui. la, la course-poursuite. Euh, bim, bam, boum. Ils se rendent euh, sur le toit. Euh, 47. Au et... passage... Euh, Katia. On, note, on a noté que Katia, elle, elle passe de euh, jeune femme euh, mal dans sa peau, apeurée, hyper vigilante, euh, qui prend des médocs pour se calmer, etc. À Sarah à, Connor. Et euh, surtout qui, <laughs> interroge l qui questionne l'humanité de l'agent 47. Elle, et, oui, elle passe à Sarah Connor. Elle, elle devient un agent elle-même, quoi, parce qu'elle tue des mecs sans aucun état d'âme. Oui. Ouais, ah oui, mais peut-être mais... que ses gènes se sont réveillés, un truc comme ça, une <laughs> connerie scénaristique. Qu'elle arrive, qu arrive à éteindre l'émotion, la peur, le regret. Donc les deux vont sur le toit. Euh, ils tuent quelques gardes au passage, bien sûr. Mm. Et donc sur le toit, il y a un hélipad pour que l'hélico du chef s'en aille. Il arrive à partir l'hélico avec donc Antoine, le père et le docteur, le père de Katia, quoi, à, son, à son bord. Il regarde ça et un des gardes n'est pas mort, enfin, même c'est le secrétaire de, du grand méchant. Il va tirer une balle sur Katia quand, dans un mouvement d'humanité, 47 saute et prend la balle pour Katia. Ça, c'est bon. Par contre, il se prend une balle, mais bon, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ah bah, après, on s'en fout parce que de toute façon. Euh... Il y a un petit retourné tiré où, où, où il tue, lui et Katia tuent en même temps le, le, le garde. C'est assez magnifique. Ouais. Ouais, il, il n'a pendant... rien subi. Il, il a pris cette balle, mais voilà. Et il regarde l'hélico partir, et dans l'hélico, euh, et ça je m'y attendais pas, le docteur ressort l'inhalateur. Alors, tu t'y attendais pas, mais tu avais noté qu'il l'avait récupéré au moment de... Oui, oui. Euh, mais en fait, moi remettre... je pensais que c'était un tracker, tu vois, juste... Oui, oui. Tout le monde pensait que c'était juste un tracker. Et en fait, ah voilà, non, pas moi. C'était une non, bombe non, non plus. <laughs> <laughs> Moi je me suis dit, Alors... il, a un, il a un inhalateur parce qu'il a vidé l'autre, donc soit il s'en sert pour pouvoir respirer, soit s'il appuie pas sur le bouton, c'est qu'il y, qu y a un truc chelou. Et ouais euh... c'est ça, c'est que tu dis que si sur un inhalateur il y a un bouton, et donc s'il si y a un bouton, c'est qu'il y a un truc à actionner, ça peut pas juste être un tracker. Mais euh, les bah, boutons et... ça fait boom en général. Hein. On remarque que Carantet a récupéré l'inhalateur, mais c'est peut-être moi qui ai un problème avec le, la, le, le temps qui passe dans, dans ce film. Mais je me demande à quel moment il a eu le temps de monter et le tracker et une bombe, et surtout euh, ben, une bombe quoi. Dans ouais. un ah oui, mais inhalateur. ça, enfin, ça ne fait aucun sens. Ça, 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 je veux bien qu'il y ait des explosifs puissants, mais là, dans l'inhalateur, tu ne peux pas planquer non plus. Bah, surtout que quand le truc explose, ce n'est pas une petite explosion. Hein. Oui, tout à fait. Bon après, ça explose et ça peut-être que ça fait exploser aussi le réservoir de, de l'hélico. Et du coup, ça, ça fait un gros truc. Mais... Mmh. Euh, donc là, 47, il appelle Diana et lui confirme que Leclerc est mort. C'était son contrat. C'est pour ça que je dis que c'est bizarre parce que Diana, elle ne bosse pas pour le syndicat. Sinon, pourquoi elle aura un contrat pour tuer le chef du syndicat bah, En fait, <coughs> oui, peut-être que c'est une branche dissidente. <laughs> c'est une agence à part qui bosse pour le syndicat, je pense. Ah et euh, par contre il ne lui confirme pas que la seconde cible est morte donc on soupçonne très fortement que la seconde cible c'était Katia et lui préfère balancer son téléphone j'espère que personne l'a pris sur la tête parce que ça doit faire mal euh, donc il lui dit je fais ça comme ça le problème des agents est arrêté c'est pour ça que j'ai tué Antoine et ça te libère comme ça personne ne va te chercher pour bah, te tuer ou exploiter ton ADN Là, ils partent vers la porte de l'héliport quand on l'avait oublié, mais 48 arrive. Et 48, il a la même tête que 47. Et le 48 dit Diana dit bonjour. Voilà. <laughs> fin, générique, 10 secondes de générique, on retourne dans la tour, et là on se rend compte que Sailar n'est pas mort. C'est Sailar Binos. Et avait... 하나, and and surtout, oui, c'est Sailar Binos. Il est... Euh... Il a les cheveux et, la, et la, les sourcils et les poils blancs. Je suis sûr qu'il a chopé un pouvoir d'électricité grâce à ça. En même temps, il a un truc sous-cutané en titane. Électricité, tu te dis, il y a moyen hein, qui conduise l'électricité mieux que Ça Il le fait le monde cache maintenant. de faraday autour de son corps et que du coup, il n'a pas, pas été électrocuté. Et voilà, on a enfin fini ce film. Youpi! Ouais alors, ah prendre... mais c'est un, un, un film avec des scènes d'action trop stylées, un scénario qui ne fait juste aucun je sens. Je te promets Elvis, alors, pas tout. regarde la bande-annonce de 2046, t'auras tout ce que tu veux. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, hein. plus t'en parler, puis je me dis en fait il faut juste regarder à la bande-annonce. Ou alors vous savez à quoi ça m'a fait penser Mais voilà, je vais sûrement sortir une référence que aucun d'entre vous ne connaisse, mais vous avez vu ce dessin animé Action Man en animation 3D, un peu moche, où à chaque fois qu'il y a une situation, genre il y a un ralenti, et tu vois il observe partout, il regarde tout, et il fait... Anticipation, réflexion. Et à la fin, il fait action et il tue tout le monde. <laughs> non, j'ai pas vu non, bas, là, c est... C est... Là, tu ça. Ça me es fait très penser à tout ce film. Ok. Euh, alors, nous, c'était qui qui était là pour Hitman dans l'épisode 28 Je ne l'ai pas mais fait mais tout tôt, ça. un truc. Je Moi. crois que j'y étais. Hein j'ai que ce que tu C'était pas, sûr sûr pas et là. Certains. Parce que du coup, on a déjà parlé du jeu. Oui. Bah, bah, C'est a... très bien. Il y a deux épisodes. Mais toi qui as si tu n'étais pas là, est-ce que tu nous touchais deux mots de ton expérience du jeu avant qu'on classe le film euh, Oui, c'est un jeu que j'ai découvert euh, sur le tard euh, genre vers 2007, un truc comme ça j'étais dans une période rétro gaming je me, je me refaisais tous les Megaman et, et Hitman m'avait toujours intrigué, donc je l'ai fait à une époque où comparer Hitman 1 à Assassin's Creed, euh, comment vous dire que mmh. c'était violent quand même, niveau graphisme mais euh, il mais y avait un truc qui était, vraiment, qui était vraiment à part dans ce jeu et qui, qui a fait que j'ai fait les, les trois épisodes au final. Euh, trois ou quatre. Parce que je crois que celui ça, avant Absolution, au final, il conclut la série normalement. Hein, à en, la fin, parce que en titre est canon, être... il y en a cinq dans la première partie, on va dire. Ouais. Et après, il y a une sorte de reboot qui est le World of Assassination. Et là, il y en a trois. D'accord. Donc tu comptes absolution dans les dans les oui. canons Moi, pas du tout. Ok. okay. Donc j'ai fait les j'ai fait les quatre premiers et effectivement le, le bon le jeu était hyper rigide quand même. Il, il faut le dire hein, pour les quatre premiers. Mais euh, le, le quatrième était pas mal parce que ça concluait la, la série et 47 était censé être mort. Euh, Absolution, je l'ai fait, je l'ai moins apprécié parce que c'était pas un hitman. Au final, il y avait beaucoup trop d'action. C'était un peu une sorte de Splinter Cell reboot mmh. avec, euh, avec des moments à la Matrix euh, au ralenti. Et j'ai pas du tout touché aux, aux trois derniers qui ont l'air hyper stylés. Mais mais j'étais j'étais plus dans le délire. Euh, aussi rigide parce que c'est un truc qu'ils ont qu'ils ont quand même gardé donc malgré malgré la richesse qu'ils qu offrent j'ai pas voulu j'ai pas voulu m'investir là dedans et puis le format épisodique était à la mode à cette époque là et c'est un truc qui qui me qui me faisait pas kiffer ok mais c'est c'est une série que, que j'apprécie particulièrement parce que parce que tu peux planifier vraiment. À l'époque où c'est sorti, on avait peu de puissance de, de calcul et ils avaient vraiment réussi à intégrer de nombreuses façons de, de résoudre en fait les, les cas d'assassinat qu'on qu avait, les contrats. Et c'était pas une prouesse technique, mais c'était quand même impressionnant déjà non, pas mal. de réussir à. Et, ouais. et c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode 28 du coup, mais ils étaient très durs. Les premiers ouais. man. Oui, ouais, tout à fait. C'était vraiment beaucoup de, de tryhard hein, pour réussir les missions. Ouais, il fallait, ouais, il mais... fallait vraiment observer et euh, apprendre les déplacements des, des gardes, etc. C'était. Euh... Ouais, c'est euh... ce qui lui donnait son charme au final, mm -hmm. je pense. Je tiens à dire une chose c'est que Suzyx fait des marathons rétro gaming un peu bizarre c'est-à-dire qu'il s'est dit je vais finir tous les jeux qui finissent en man. il <laughs> Mega Man. Oui, il a fait tout ouais. <laughs> Est-ce que tu as fait Superman 64 non, du tout, jamais. Ok. Euh, Est-ce qu'on le place, ce film Oui, vous avez été dur avec, euh, avec le premier, je trouve. Il est au milieu Ah ouais, mais en dessous Prince of Persia, euh, en dessous Mario Bros, en dessous Warcraft, en dessous Dead or Alive, putain. Ah, il y avait quand même pas mal de trucs qui n'allaient pas. Hein. Euh, ouais, est déjà, c'était ouais, que Umbrella Corp. Donc... Où il veut placer ce Hitman Agent 47 moi, je pense que j'ai une petite idée. Ah, bon. Euh, débat, parce mais... que, certes, le scénario est nul. Certes, il y a plein de trucs qui font pas sens. Mais les scènes d'action sont vraiment stylées. Genre, je, je, je trouve qu'on peut pas nier que dans ce film, les scènes d'action, sauf peut-être le stroboscope du début, les scènes d'action sont vraiment stylées. Donc, je le mettrai en onzième position. Wow Ah oui. <laughs> pour moi, est il est mieux ça. que le. Pour moi, il est mieux que le premier parce que le premier, genre, le scénario était pas fou, les scènes d'action ouais, étaient pas okay. folles. Là non, je trouve que au moins premier, les scènes d'action genre est ton plein l'a vue. Non 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 non, non, non. Eh bah, euh... Désolé ça a coupé Ah pas de problème Alors si t'as pas entendu Tadus l'a mis onzième. Ah euh... <laughs> Juste ouais, après Sonic Wow <laughs> Parce qu'il faut pas déconner quand même on n'avait pas le mettre au-dessus de Sonic <rire> <rire> euh... Alors moi je voulais, juste, je voulais juste vous donner l'anecdote dont j'avais parlé sur Absolution mm. avant de donner ma place. Vas-y. En 2012, donc pour, la, pour promouvoir le jeu Hitman Absolution, IO Interactive a lancé une, une application Facebook, puisqu'à l'époque on pouvait faire des apps euh, sur Facebook. Application qui te permettait d'identifier et menacer tes amis euh, pour le, en leur disant qu'ils étaient victimes d'un assassinat. Et donc tu pouvais... Euh, Identifier tes amis euh, avec euh, différents, euh, différentes euh, caractéristiques physiques, notamment pour les femmes, leurs jambes poilues, leurs euh, petites bouées. What? Je suis sûr que François Courtis a participé au développement de ce truc-là. Et pour identifier euh, tes amis masculins, tu pouvais dire euh, qu'ils euh, avaient euh, les euh, cheveux roux, euh, une coupe de cheveux merdique ou un tout petit pénis. Et, sûr, y a euh, les gens que tu assassinais via cette application euh, recevaient. Euh, euh, ah oui, et, la raison pour, et les raisons pour lesquelles tu les assassinais incluaient notamment, par exemple, le fait qu'ils sentaient mauvais ou qu'ils trompaient leur What partenaire. Et euh, les amis donc, que tu désignais et qui, et qui étaient assassinés recevaient une vidéo personnalisée euh, qui euh, compilait les leurs photos. Euh, ça les identifie en tant que cible. Et ensuite, ils voyaient une vidéo qui, qui, qui les présentait euh, donc avec leurs photos, etc. Puis des, des images et puis des, euh, des graphismes de, justement, euh, mélangés de, de Hitman, façon, euh, façon euh, fin de contrat, comme on peut le voir dans le film ou dans, le, ou dans les jeux. Et, euh, et enfin, l'agent 47 qui leur tire dessus. Voilà. Bah, si tu as un, un lien vers une de ces vidéos, je suis. Alors, euh, et euh, enfin, euh, Iowa Interactive a admis que l'application la promo, promotionnelle était de, mauvais, de très mauvais goût ouais, <laughs> et l'a retirée le jour même <laughs> de son lancement. Ok. Voilà, je vous partagerai les, les sources. Et, euh, et moi, je vais mettre, le. si jamais vous vous demandez, euh, je pense que je vais mettre le film euh, 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 derrière Postal. Ah oh mais dernier! <laughs> dernier! Non, tu mais peux pas me pas... dire que tu préfères re regarder Postal que Hitman. On devant Postal. Okay. Postal, c'était fun hein, quand même. On <laughs> sous X. Non, non mais, mais en fait, Postal, tu, tu le regardes et depuis le début, tu, es, tu éprouves des émotions alors que Hitman on va dire le premier quart tu n'éprouves aucune émotion à part une crise d'épilepsie euh, je vois pas c'est ce qui n'est pas une émotion ah, vous êtes dur euh, bon, je vais le placer avant sous X vas-y comme ça tu pourras corriger euh, vu que le, le, le sujet te, te tient à cœur. je vais le mettre euh, entre Double Dragon et Alone in the Dark je pense que je préfère re-regarder Double Dragon, qui m'a plus fait rire que Hitman. Mais Alone in the Dark, c'est un point que je ne peux pas atteindre. Donc 23ème. Alone in the Dark, je l'avais oublié, lui. Je vais pas la jouer stratégie, je vais seulement le placer là où il devrait être placé. Et je mettrai 17ème, c'est-à-dire après la version de 2007. En vrai, tu vois, si, si là en y réfléchissant, je, met, je mettrai peut-être plus, peut-être devant Worms, à la limite, mais pas, pas plus haut, quoi, parce que je peux pas le mettre devant Max Payne. Max Payne, euh, même s'il est nul, l'expérience était meilleure. Mmh. Need for Speed aussi, pareil. Need for Speed, il n'était pas. En y repensant, il était. Est-ce que tu veux changer ton vote si euh, pour la deuxième fois <laughs> Non, non ça. Allez. Va, il est bien. Parce que aller. Mortal Kombat 2, est limite mieux, quoi. Il eh ben, est simple. beaucoup plus ri devant Mortal Kombat 2. Il est pile, euh... pile poil 20ème. Parce que ça fait 80 le cumul de nos notes. Ok. Donc il se retrouve entre Digimon le film, merci encore Taldus pour ça, <rire> et <rire> Monster Rien. Hunter. C'est en dessous de l'autre Hitman, ce que je trouve normal. D'ailleurs, on n'a même pas rappelé qui est top 3 et bottom 3 du classement. Ben, Alors, vas-y. Au top 3, nous avons Uncharted en premier, suivi de Pokémon Détective Pikachu, suivi de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. Et en dernière position, nous avons, euh, euh, nous avons dans le dans, du, du meilleur au pire, Worms, Mortal Kombat 2, et en tout dernier, Postal. Très bien. Marquera quand même que le top 3 est quand même. Euh... Il est bien. Plein de, hein, de films qui sont sortis extrêmement récemment. Oui. Mmh. Comme quoi hein, le respect du jeu vidéo et du divertissement et du bon film Ce, ce n'est que récent. et eh ben moi j'ai envie de dire ça tombe bien car dans mes propositions il y a un film qui est plutôt récent. Quelle transition Taldus quel est ton film Rampage avec The Rock. ah merde. La, fois la même. Propose... J'en oui, étais sûr que quelqu'un allait le film. dire encore. Hein. Parce que chaque fois, il ressort celui-là. Bon, bah, je, vais... je vais dire Sonic 2, alors. C'est vrai qu'on n'a pas oh fait oui, Sonic 2. Oui, c'est oh, vrai zut. que vous n'avez pas fait Sonic 2. Et je ne l'ai même pas vu. Voilà. Ah bah, t'as raté quelque chose, en vrai. J'espère que c'est dans Bentala. les trois premiers. T'as dit quoi, Emric C'est toujours Malik Bentala au doublage en français. Malheureusement. Non, il est moins pire dans le 1, par en, contre. En ouvrant oui. la liste des films basés sur les jeux vidéo... Je découvre que les deux prochaines adaptations qui ont une date de sortie. Alors, il y a Sonic 3 pour ouais. décembre 2024. Mais avant, il y a le film Grand Turismo. Ah merde ouais. <laughs> Qui sortira le 11 août 2023. Mais il n'y a pas de scénario dans Grand Turismo. Qu'est-ce qu'ils nous font La and ah, bah, Furious hein. Need for Speed. Non, 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 tu ne peux pas dire ça. Need for Speed, il y avait des scénarios et c'était euh, ce qui ce qui valorisait le jeu à l'époque, tu avais des séquences qui étaient filmées, qui étaient stylées. Non, tu ne peux pas dire ça. pas vrai. Il y a toujours eu, dans chaque épisode de Need for Speed, il y avait une raison, il y avait un scénario. Alors pour info, sachez que le projet a commencé en 2013. Donc euh, un projet qui met autant de temps à sortir, c'est jamais bon signe. Ben et, oui. et que dans les dernières, infor les dernières informations qu'on a eues en mai et juin 2022, ça devrait être un film autour d'un pilote qui rejoint la Grande Turismo Academy, donc une sorte de shonen de la course de voiture. Ouais. Eh mmh. ben, bah, on regarde. Ça fait pas rêver, mais. OK. Et sachez que normalement, on retrouvera Orlando Bloom dans le oh, film. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. <laughs> ouais. Voilà, voilà. Euh, Emery, qu est ce que tu as un film à proposer ouais, Je voulais proposer Sonic, du coup je vais pas proposer Sonic, puisqu'il est, est déjà proposé. Euh, J'hésitais entre euh, proposer euh, Doom ou l'autre euh, Tomb Raider. On l'a pas fait encore, Doom Entre la peste et le on l'a fait, mais à l'époque où on, on faisait des critiques de jeux vidéo. Ah ouais. Alors, moi, je vais vous proposer. Comme D'habitude, Resident Evil Apocalypse, parce que j'ai envie qu'on continue les Resident Evil. Il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui les ai tous vus. Et eh ben, si tu proposes une suite un qu'on qu a fait, euh, je propose donc euh, le, le deuxième Tomb Raider. Alors, c'est lequel C'est censé est le... être le reboot non non non. Euh, non, 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 c'est la suite Tom du reboot. Tomb Raider, le, le perso de la, perso de la vie. vie. Avec Angelina Jolie aussi Oui, ouais, le deuxième... Ah, le deuxième Angelina Jolie. Alors, euh, attends, Ah oui, a... non, 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 le, je propose pas le reboot. Le reboot, il est, limite, il, est, il, est, il, est, il, est il est, bien. <rire> euh, <rire> je suis pas d'accord. <laughs> Par rapport à ce avec Angelina oh, le, jeu, le jeu est bien. Ouais. Eh bien messieurs, voilà, on a fait le tour. Euh, Suzix, est-ce que tu as ton petit magnéto euh, Corporate oui, 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 oui. C'est, c'est la rentrée. Moi, bon, il est, il est déjà tard. L'automne arrive. Les feuilles tombent. Faites couler l'argent sur le Patreon de Podcut. Euh, L'adresse, c'est patreon.com slash Podcut. S'il vous plaît. Il y a, y a, plein de trucs, il y a plein de trucs nouveaux à venir. Et puis nous, bah comme on vous l'a dit, il hein, y, y a plein de bons films au final qui sont en train de sortir sur les jeux vidéo. Donc euh, ce serait bien qu'on aille voir ça dans les salles obscures. Merci de participer, de filer votre dîme. Euh, pour ce qui est des autres podcasts extraordinaires dont vous avez rêvé et que Podcut a produit, vous les retrouverez sur podcut.studio. Sur le site web. Voilà, n'hésitez pas à partager, consommer matin, midi, soir, dans les transports, sur les chiottes, dans la salle de bain. Régalez-vous. Oui. Merci, Sous-X. Et du de coup, bah, merci tout le monde. Merci, Emric, Merci, Taldus. Merci, Sous-X, de vous être levé et d'avoir regardé ce film en ce dimanche matin. On se retrouve, on... j'espère. Euh dans moins de 3-4 mois. On n'avait pas fait d'épisode depuis juillet. Hein. Oui. Les choses ont été mouvementées. C'est vrai. Et euh, bah, je vais lancer le générique. Donc vous pouvez dire au revoir. Eh bien, au revoir tout le monde. Très vite. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, bon week-end, bonne soirée.